Oh bah tiens, dis, ça faisait longtemps. Ça faisait tellement longtemps que j'en ai disparu de YouTube et également de ma chaise. Elle était bonne cette blague, hein. J'ai disparu de ma chaise. Je suis debout, tu m'entends. Je te fais la vague, tu m'entends. Et là, t'es en train de te dire, mais what the fuck? What the fuck? Il a pas changé. Non, j'ai pas changé. Le seul truc que j'ai changé, c'est ça. Ah ouais, c'est fou. Ouais, j'ai gardé mon Blue Yeti, mais maintenant, je ferai les vidéos avec ça de temps en temps. Ça me permet de... Oh putain, par contre, ça fait vraiment longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir ta petite bouille derrière cet écran, mon petit pote. Merci à toi d'être fidèle. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Psy. Aujourd'hui, j'ai pas de montre, mais on est dimanche. Et pour ceux qui le savent déjà, le dimanche, c'est petite vidéo découverte. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu de survie qui est plutôt, pour ma foi, assez sympatoche. Mais attends, tout d'abord, avant que la vidéo commence, t'oublieras pas ton petit like, ton petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos découvertes si t'es pas encore au courant. Non mais... Attends, je m'absente pendant 2 mois, il y en a qui perdent déjà les bonnes habitudes. Non mais il est malade celui-là. Bref, plus sérieusement, aujourd'hui je vous présente Epicraft Fighting Survival. C'est un jeu de survie en mer, donc va falloir aller voir sur les îles ce qu'on peut trouver, il va falloir qu'on ramasse des choses, il va falloir qu'on loot, il va falloir qu'on survive. C'est le but du jeu. C'est un jeu qui est disponible sur iOS et Android. S'il n'est pas sur votre plateforme Android, il est disponible sur plein d'autres sites de téléchargement de type TapTap par exemple. Et puis écoutez, on passe directement à la découverte, hein. Let's go. Donc du coup les petits potes, nous voilà dans le menu, donc là du coup on va pouvoir personnaliser notre personnage. Alors c'est soit un homme, soit une femme, ok, y a pas de souci. Comme ça que je m'appelle si je me trompe pas, hein. Corrigez-moi si vous pouvez. Écoutez, ça m'a l'air pour ma foi, ok. C'est parti, let's go. Allez. Oulala, y a un requin. Yeah. Ok. Donc là y a une radio, ok, donc faut se diriger à la radio. Hey, on the right. Yes, I'm talking to you. Don't me... Surprise... Sur quoi? Surprised. I'm glad you manager to find at left... Oh, c'est bon, je parle pas anglais, c'est bon, j'en ai marre, allez, on skip. On sait que c'est un jeu de survie, c'est bon, faut arrêter. Vas-y, c'est bon, je skip. Ok, donc là, c'est parti. Donc, en gros, on est sur une plateforme qu'il va falloir qu'on améliore. J'ai l'impression qu'il y a un requin qui nous tourne autour, ok. Putain, il y a une caisse là-bas, on va aller la ramasser. Putain, le jeu, on peut pas le mettre en français. Mince. Ah, mais attendez, je suis pas mort. Elle est où ma plateforme? Vite. Ok. Donc, du coup, attends, il y a des trucs à ramasser là, j'ai l'impression. Ok. On a ramassé du plastique. Là, ici, il y a des planches. Vas-y, on ramasse. Aïe, skip. Aïe. Faut vraiment pas que le requin, il aille me trop taper. Il me reste combien? Il me reste 70 de vie. Ok, bon, on va se calmer. Oula, on va se calmer, ok. Bon, du coup, on est sur un jeu de survie sur une plateforme. En pleine mer. Va falloir qu'on ramasse tous les trucs qui chavirent. C'est-à-dire les planches de bois et tout pour pouvoir améliorer notre plateforme, j'imagine. Ok, c'est bon, je suis monté à temps. Là, ici, il y a une radio. Ça, c'est quoi? Ça, c'est notre coffre. Du coup, on va pouvoir mettre toutes les ressources qu'on va ramasser, j'imagine. Ok, on les glisse. Parfait. Ok, j'ai l'impression qu'on a ramassé du coup des barres de céréales, une canette, des feuilles, du plastique, du bois. On va continuer à ramasser du bois. Ouais, par contre, c'est pas cool, hein. Le requin, il est trop vif, hein. Ah, mais attendez, le requin, je peux le taper. T'as des faits de voir? Vas-y, viens là. Quoi? J'ai un hameçon? Ah ouais, regardez. Hop. Putain, mais j'ai à peine commencé le jeu, je suis déjà en train de me taper des barres. Du coup, ils me disent d'aller voir sur la map. Ok, ça prend 15 énergies. Donc, ok, on a des énergies pour se déplacer sur des îles. Et du coup, sur l'île, on va pouvoir retrouver ces différents matériaux. Et de la nourriture également. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Let's go, on va jeter l'ancre pour 15 énergies. Ok, donc j'ai vu qu'il y avait un kit de soins. Il y a un mec. Ok, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, on ramasse un kit de soins. Ok, c'est free, c'est gratuit. Ah, il me conseille de regarder une vidéo. Ok. Ah bah d'accord. La pub, c'est aussi un jeu de survie en pleine mer. Non mais si. Ok, donc c'est bon, j'ai regardé la vidéo. Du coup, bah ça m'a donné le kit de soins. Là, on ramasse également quelque chose. Donc là, on doit aller lui parler. Vas-y, on va lui parler. Ah non, le fouille carrément. Ok, on a trouvé un sac et 2 canettes. Ouais, non, pas pour le moment. Pour le moment, j'ai pas envie de te donner une note, t'es malade. On a une barre de faim et une barre de soif. Là, on a un coffre. Du coup, vas-y, on ouvre le coffre. Ok, on peut dupliquer par 2 en regardant une vidéo. Bah, c'est parti. Hein. Ouais, non, mais nous, on est des farmeurs de vidéos, tu comprends. Logique.
Ok, donc du coup, on a pu dupliquer par deux les ressources qu'on a trouvées dans le coffre. Écoutez, pourquoi pas. Allez, on prend tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur l'île? Ok, des crafts, pourquoi pas, let's go. Il y a un sanglier. Faut qu'on le tape? Ok. Vas-y, vas-y, mon pote, vas-y, mon pote. Vas-y, mon pote, vas-y, 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 encrends-toi. Vas-y. Wouah, il l'a tué, mais on a rien vu, putain. Putain. Ok, donc dans l'inventaire. Non, c'est bon, j'ai envie de skipper le tutoriel, pas besoin. Ok, donc là, on a notre personnage. On a un casque, un t-shirt, un shirt et des claquettes. Et cette fois-ci, il est pas en chaussettes. La bouffe, des canettes, un sac. Et du coup, comme arme, on a une canne de golf. Pourquoi pas, c'est assez original. J'aime bien les graphismes. Ils sont très colorés, ça c'est cool. Et là, on a un coffre également ici. Elle est en craft. On parlait combien qu'il va me proposer de faire x2? Voilà, c'était sûr. Allez, c'est reparti pour une petite vidéo. Let's go. Je kiffe ma vie. Alors, attends. Quand même, très important. Est-ce qu'on se rend compte que je fais plus gagner de l'argent aux développeurs en regardant des pubs que moi-même en faisant une vidéo? Non, parce que là, on en parle ou pas? Non, c'est bon, on en parle pas. Allez, du coup, on va tout ramasser. x2, ça fait plaisir. Des crafts, du bois, un bidon. Ok, non, vas-y, moi, je skip le tutoriel. Hein. Ok, donc en gros, là, avec les ressources, on peut farm des objets. Donc là, on peut farm ça. Bah, du coup, vas-y, on va le produire. Comme ça, on en aura une. Ça également. Une canne à pêche, on peut pas. Ok. Ah, mais on peut farm plein de trucs. On peut farm des t-shirts, des chapeaux, des chaussures, des casques. Ouah, il y a plein de trucs à craft. Ah ouais, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Bon, bah, je pense pas que ça sera une seule vidéo. Hein. What the fuck? Ok. J'imagine que ça peut pas le refaire, non. Là, il y a encore du craft. C'est quoi le bidon jaune? Ok, faut le casser. Parfait. C'est bon, je viens de comprendre. En fait, du coup, j'ai craft un matériau pour pouvoir casser les bidons. Ok, on a cassé. Et encore du plastique ici. Pour l'instant, je me transforme en ramasse-miettes. Hein. C'est tout pour le moment. Rien d'autre, ni plus ni moins. Je suis un ramasse-miettes. Je ramasse tout ce que je trouve. Ok. Qu'est-ce qu'il me propose? Va falloir que je répare le pont. Ah non, va falloir que je fasse tomber l'arbre. Ok, vas-y, on va faire tomber l'arbre. Allez, vas-y, fracasse-moi l'arbre. Allez, vas-y, mon pote. Ouais. Et du coup, j'ai bien fait de le faire, tu vois. Oh, il y a un gumé. Oh, il y a un gars. Vas-y, on va aller le voir. C'est peut-être un pote. J'ai peut-être fini le jeu, hein. Qui sait? Oh, il y a une boîte aux lettres. Le facteur, il est passé ou pas par ici? Ça se trouve, j'ai gagné une prime. Ça se trouve, c'est YouTube qui m'a dit, hey, coucou, toi, attends, ouais. J'ai gagné une barre de céréales et du coup, du métal. Ok, pourquoi pas dans la boîte aux lettres, c'est totalement normal. Qu'est-ce qu'il a, lui? Thanks the prune of. Ouais, c'est bon, je parle pas anglais. C'est bon, frère. Oh. C'est bon, tu m'as saoulé là, on va comprendre. Oh, il y a des crabes et tout. Oh, cool. On va aller le fracasser, let's go. Let's go, let's go. Il m'a donné une mission. C'est d'aller taper le crabe. Ok, bah, let's go. Faut pas demander ça à moi deux fois. Hein. Ah, moi, je suis un pro player. Hein. Bah, ouais. Hein. I'm pro player. Hein. Muta crabe. On va être. Ah, c'est un crabe mutant. Yeah. 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 C'est bon, il est tombé. Oh, vas-y, on va le dépecer. Oh, il donne une clé et une pince. C'est-à-dire que la clé, c'est pour le sauver l'autre. Allez, vas-y, du coup, on va libérer le champion. What? Mais il est parti? Non, il est là. C'est bon, mon pote, c'est bon, je t'ai sauvé. Hey, mon pote, ça va ou quoi? Ça fait plaisir de te revoir, hein. Franchement, rouya, ça faisait longtemps. Eh ouais, du coup, tu m'as donné, ok. Donc ça, je parle pas anglais, mais a priori, j'ai l'impression que c'est un truc pour pouvoir se guider dans l'eau, se diriger, c'est plus tout cool. Ok, bah merci à toi, mon pote. Il y a quoi à ramasser chez toi? On sait jamais. Ok, il y a un plumard. Il y a quoi dans le frigo? De la carotte, des bouteilles d'eau. Vas-y, moi je prends. Hein. Ok, parfait. Quoi là-dedans? Il y a une caisse. Eh, mais je vous ai dit, là je suis un ramasse-miettes. Je ramasse tout ce que je trouve, sinon je vais mourir. Allez, parfait. Merci mon pote. Hein. Merci, franchement, merci. Il y a quoi ici? Il y a encore un truc ici. Oh, regarde pas surtout. Hein. Ouais, regarde pas surtout. Ok, des clous. Parfait. Oh, de la citrouille. Vas-y, on ramasse. Hein. Ah, moi je ramasse tout. Hein. Ah, mais attendez, je suis bête. Ah, il y a une mini carte en haut à gauche. C'est lui. Là, ça me dit que j'ai de la carotte. Ok, parfait. Putain, mais je suis bête. Je regarde pas tout. Allez, vas-y. On retourne ici. J'ai l'impression qu'il y a des ressources que j'ai déjà, donc ça va pouvoir se compléter, j'ai l'impression. A priori, non. C'est de l'ananas. Ah, ça, on peut le fracasser, ça nous donne du bois. Ok, ça nous donne 5 de bois. Et 6 feuilles, ok, parfait. Il y a de la carotte. Il repleut, on adore. Le fort, on peut pas rentrer dedans, non. Ici, on peut rien faire non plus. Ok, là, il y a le shop. Ok, donc en gros, ça veut dire qu'il faut payer. Ah, en plus, il y a même des abonnements par mois. Là, faut payer, ok. Donc là, du coup, il y a le shop. Donc avec l'argent, vous pouvez avoir des pièces d'or. Attendez, c'est un battle royale ou c'est un jeu de survie? Non, parce que là, ils nous ont sorti genre un sniper et un katana. Ouais. Là, du coup, on peut acheter des ressources. Ok. Bah écoutez, ce petit jeu, il m'a l'air de ouf sympa.
C'est une très grosse découverte pour moi. Ça fait plaisir de revenir avec un petit jeu comme ça. C'est ce que je cherchais en plus. J'allais dire, on dirait un crabe. Mais non, c'est pas un crabe. C'est un zombie. Depuis quand il y a un zombie dans un jeu de survie? Oh, en plus, il m'attaque. Il est fou, il est fou. Allez, qu'est-ce que t'as sur toi? Dis-moi que t'as des trucs de ouf en vrai. Tu dois avoir une patate et un métal. Ok, non, non, pourquoi pas. Bon. Ok, donc du coup, nous revoilà sur le radeau. Ici, c'est le barbecue. Ok, c'est le coin barbecue. On peut mettre du poisson, on peut mettre de la carotte. Et du coup, ça nous dit que la carotte cuite, ça nous rapporte 5 d'eau et 20 de viande. C'est pas mal. Là, du coup, de la patate, je l'ai pas ramassée, mais ça ramasse également. Ah non, du coup la patate ça ramasse de la vie. Et moi j'ai laissé la patate là-bas. Ah, je suis un peu deg. Ok, donc les pinces de... Oh, les pinces de crabe ça met direct, hein. On va mettre les pinces de crabe, hein. Let's go, x10, hein. Ok, donc du coup ça va craft en attendant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici. Ok, donc là du coup avec les bouteilles d'eau. Ok, donc celles-ci elles sont pleines en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elles sont pleines, donc on va essayer de les boire. Ok. On va mettre ça à la place de la canette. Ok, on va boire les deux. Hop, normalement ici, parfait. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce que je voulais. Ok, j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. Build, oh bah voilà, ça va m'intéresser. Du coup on va pouvoir se transformer en architecte. On peut se faire une petite baraque, ok. On peut se faire des barrières, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça c'est le truc qu'on a gagné tout à l'heure. Enfin, que l'autre nous a donné tout à l'heure. On peut le mettre là ou pas? Ok, mais j'aimerais bien l'avoir ici là. Voilà, comme ça. Ok, parfait. On peut agrandir la plateforme. En vrai, je l'agrandirais bien là. Ok. Ok, ok. Bon, on verra. Donc là, il y a le requin, mais. Non, en fait, non, je m'en fous pas. Vas-y, la feuille. Direct. En fait, je suis bête, mais ouais, voilà, en fait, je peux les attraper comme ça, les trucs. Ok, donc les bouteilles d'eau, elles sont bientôt prêtes. Attrape-moi le plastique, let's go. Alors, je sais pas si avec les bouteilles usées ou cassées, entre parenthèses, on peut faire des bouteilles réutilisables. Ça, faudrait que j'aille voir au niveau du craft. Vas-y, attrape-moi ça, parfait, let's go. Mais je pense qu'il va falloir que je lui casse la gueule, celui-ci. Hein. Je pense qu'il va vraiment falloir que je lui casse la tête. Hein. Vas-y, attrape-moi ça, parfait, let's go. Vas-y, create. Qu'est-ce qu'on peut créer? On peut pas créer de canne à pêche. On peut pas créer du coup une hache ni un marteau en fer. Pourquoi pas? Ah, du coup, ça c'est les armes. Ok, donc là je peux créer une dague. Je peux pas créer de lance. Je ne peux pas créer une batte avec des clous. Je peux pas créer d'arc. Je peux créer une dague seulement. Je vais pas le faire. Les vêtements. Ah, mais en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc en fait, on craft sans table de craft. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à voir. Oh là où il y a un coffre. Oh! Aïe aïe aïe! Satanas! Satanas! Connard! Connard! Et viens là, toi. Le bois également. Ok, donc ça c'est prêt. On va pouvoir se nourrir. Et on va en prendre un. Du coup, inventaire, c'est la pince de crabe. On est obligé de le mettre à la place. Comme ça. Et là, il faut qu'on le mange. Plus 10. En fait, c'est plus compliqué que ce que je le pensais. Build the craft. Ok, donc là, du coup, c'est une mission. Donc, en fait, il me demande de poser 4 plateformes. Ok, bah, vas-y, on va lui poser ces 4 plateformes. Attends, laisse-moi juste ramasser cette planche, s'il te plaît. Vas-y, merci. Comment on faisait pour construire mon truc? Great. Non, c'était pas ça. Map. Non, c'est pas ça. J'ai oublié. C'est où le bouton pour build en fait? Oh mon pote! Oh! C'est où déjà pour build? Ah ouais non. En fait à chaque fois que je vais dans l'eau, en fait, tout simplement. Je vais arrêter d'aller dans l'eau. Ça c'est une canne à pêche. Ah build. Non mais. C'est écrit en gros, je le vois pas. Pourquoi pas? Vas-y, du coup on va lui déposer ces 4 plateformes, il va être content. Voilà, voilà. Et celle-là ici. Voilà. Là normalement il va me dire. Mission, take the complete mission valide. Ok. C'est tout. Il m'a rien dit d'autre. Ok, je pensais gagner un truc. Bah écoutez, les petits potes, je vais essayer de découvrir le jeu. Je vais essayer de... Il me reste vraiment que 10 de vie, là.
quoi? Vas-y, tu sais quoi, attends, on va tenter, on va tenter. You're survived one day. Donc du coup les petits potes, ce qu'on va faire, là j'ai fait de la merde. Prochaine fois que je rejoue à ce jeu, je me concentre et je mets mon mode tryhard. On va essayer de battre ce bah, cette journée de survie. Et puis écoutez, les petits potes, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre petit commentaire. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos découvertes, bien sûr. C'était Psy et bah à plus dans le bus. Tchuss!